Eh bien bonjour à tous, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Alors aujourd'hui on va intervenir sur le terrain. J'ai un monsieur, un particulier qui m'a téléphoné pour un problème de rat dans sa cuisine. Il est rentré de vacances, il a vu un rat traverser dans sa cuisine, il l'a d'ailleurs filmé. On va aller le voir, je vais même vous montrer en direct ce que lui il a filmé. C'est parti! Bon, donc on est dans la cuisine, donc le rat, on l'a bien vu, il est reparti là. En fait, il est sorti de là, il a fait le chemin comme ça, et il est parti là-dedans. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place. Donc, on va utiliser nos fameuses tapettes en plastique. Ici, je vais vous montrer comment ça marche. Hop, je vais prendre au préalable un attractif. On va prendre. On fait quoi? Vanille, poisson ou viande, tu veux? Tu penses qu'il aimera quoi? Moi, je partirais sur viande. Ils sont plus attirés vers de la viande, ouais, je pense. Moi, ouais. Je partirais sur viande. Et regardez, puisque le monsieur est parti en vacances, il a observé, ils ont carrément mangé les dragées. Vous voyez? Les rats ont bouffé les dragées. Voilà. Donc, vous voyez que ça mange vraiment de tout et n'importe quoi. Donc, très simple, on met ici l'attractif ici au centre, d'accord? Pour armer la tapette, rien de plus simple, on bascule ça en arrière. Donc, regardez comment je fais. Clac, c'est prêt. Donc là, ce que je vais faire, je vais en positionner une dans ce coin-là, puisque potentiellement, il peut sortir de là sans problème. Vous voyez? Et on va mettre une deuxième, où on l'a vu sortir. Donc là, on va prendre du poisson. On va lui donner le choix. Même chose, j'arme mon piège, pareil. Hop, bonjour, hop. Comme ceci. Donc on y va. Moi je fais comme chez moi. Ouais, allez-y, vas-y, y a pas de problème. Hop. Tant que les bébêtes après s'en vont, c'est tout ce que je veux. Non, bah là, ça va, ils vont être tués net. Hein. On va mettre comme ça. Ok, ensuite, on va mettre également la fameuse boîte sécurisée 100% écologique. Hop, donc je vais vous montrer comment ça marche. On l'ouvre. Donc ça, c'est l'idéal si vous avez des animaux de compagnie, chiens, chats, et également si vous avez des enfants, puisque à l'intérieur, il y a une tapette intégrée, mais celle-ci est totalement sécurisée. Voilà, donc là, vous avez la clé. Grâce à la clé, je vais pouvoir l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Hop. Très, très simple. Ici, donc à l'intérieur, on a une tapette à rat plastique, d'accord? Donc pour l'armer, très simple, il n'y a même pas besoin de l'ouvrir. Là, je l'ai ouvert. Pourquoi je l'ai ouvert? Tout simplement pour placer un attractif au milieu. Vous voyez? C'est prêt. Et également, je vais rajouter ce qu'on appelle des blocs aromatiques. Vous voyez? C'est beaucoup plus gros, hein? C'est des gros blocs qui diffusent une odeur. Donc là, c'est arôme viande, donc je vais en mettre une ici. Et également, j'en mets une ici, chocolat noisette, ça marche bien. On va le mettre ici, vous voyez? Comme ça, si le rat il rentre là, pour accéder au bloc, il doit impérativement passer ici, et forcément, il va se faire dégommer. Hop, je ferme, on entend le clac, c'est fermé. Pour l'armer, très simple, vous avez une tige ici, on l'enlève, et ensuite le piège, on vient le poser et tirer jusqu'à entendre le clac. Donc regardez, je le pose ici, clac. Mon piège est armé, il est enclenché, vous voyez, c'est surélevé ici. Donc là, c'est prêt. Donc tout simplement, je vais venir le placer le long. Donc le rat, soit il va rentrer ici, soit ici. Et on verra, généralement, ça va très vite. Voilà, vous avez vu la vidéo. Le rat, il sort en pleine journée. Ça veut dire qu'il est vraiment chez lui. Il n'a vraiment pas peur du tout. Donc cette nuit, on aura de grandes chances d'attraper soit sur les tapettes plastiques ici, ou même là-dedans. Et on verra ça, mais c'est quasiment sûr et certain, on va attraper du rat sans problème. Donc pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer la vidéo que j'ai reçue donc par le particulier du lendemain, où il me montre le résultat, hein. Regardez le résultat, on le voit, le rat, il s'est fait attraper donc sur la tapette que j'avais positionnée, la tapette en plastique. Donc hyper efficace si vous avez des problèmes de rat, ça tue instantanément. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le lendemain, il m'a dit un grand merci. Donc surtout, si vous avez des problèmes de rats, vous savez quoi faire maintenant, je vous ai montré dans la vidéo, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.